Nous allons passer à présent à l'instant humour avec notre groupe du jour, déjà représenté par un des membres. Oui, le second, il est en route, il va le rejoindre. Lui, il est là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. À qui avons-nous l'honneur? Polycarpe de Jésus Capot. Attendez, c'est votre nom même, Polycarpe de Jésus Capot? Non, c'est Polycarpe Capot. Mais j'aurais bien voulu qu'on ajoute ça. Pourquoi cette marque-là de Jésus? Polycarpe de Jésus, parce que Jésus, c'est quelqu'un que j'adore. Ouais. Je crois que c'est lui qui fait toute ma route. C'est vous-même qui vous êtes ajouté ce prénom. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Robe de Jésus aussi, puisque Jésus. Pourquoi pas? On n'a qu'à faire l'équipe. Robe de Jésus. Marcel de Jésus. Voilà, les enfants de Jésus. Pourquoi ne pas dire nos pendaines de Jésus? De la même manière, peut-être que les musulmans vont dire... Le Allah. Pourquoi pas? Ah, mais ça, libre à eux, ça pourrait bien prendre. Mais ça marie bien, Polycarpe de Jésus Capot. Oui. Alors, vous êtes là sur le plateau pour faire rire un peu nos téléspectateurs. Mm-hmm. Faire rire aussi. Pourquoi pas? Je crois que vous avez beaucoup ri déjà ce matin. Ah bon? Est-ce qu'il faut en rajouter? Vous voulez nous en priver, c'est ça? Les téléspectateurs n'ont pas vu tout ce qui se passe ici avant même que vous ne soyez à l'écran. Et vous étiez là, vous suivez tout. Vous riez beaucoup ici. Ouais. Je crois que c'est une émission qui doit beaucoup contaminer. Ah oui? Et comme on est là, il faut qu'on passe à l'acte. Merci alors. Notre coulisse. Alors, qu'est-ce que vous réservez aujourd'hui? Vous êtes chrétien, c'est ça? Ah, de toutes les façons, nous nous sommes tous ici. En tout cas, moi, je suis chrétien. Moi, je suis tout. Ah, mais si vous êtes musulman, alors, Allahu Akbar. Ah, bon, là, je ne peux pas. Si vous êtes chrétien, alors, gloire à Dieu. Je dis Amen, Alléluia. Mais quand vous allez à l'église, est-ce que vous avez constaté que les églises qui se respectent ont toujours une chorale? Une chorale avec plein de filles, plein de gars qui ont de belles voix. Oui. Et il y a forcément un monsieur qui est devant eux en haut et qui fait le maître de cœur. Voilà, le maître de cœur. Il est un chrétien. Oui. Lui, il est en haut et c'est lui qui fait le jeu de main. Oui. C'est lui qui... Qui fait comme ça. D'accord. Il essaie de guider les chorales. On va transformer le plateau... En une chorale là. D'accord, je serai le maître de cœur. Non, moi. Moi, je serai le maître de cœur. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Chantez. Dans la joie. Joie. Le maître de cœur. Mais lui fait la main. Mon cœur est dans la joie. Mais pour vous qui êtes dans l'église, vous ne savez pas ce qu'il fait. Il dit, mon cœur est dans la joie. Toi qui es là-bas, toi la jeune fille qui est là-bas, à partir de 23h00, il faut passer à la maison. Et voilà. Je parle de vous les filles qui êtes là, mais pas de toi. Joie, mon cœur est dans la joie. Et après, il fait comme ça. Toi qui es là-bas. Vous qui êtes devant, je ne vous parle pas. Les maîtres de cœur se reconnaissent. Rock est un maître de cœur. Non, tout ça, c'est pour faire. Si t'en fais comme ça, c'est pour tout ça, c'est pour faire rire. Ah oui? Effectivement, que le maître de cœur, il pointe, il fait tout, et pour désigner. Non, parce que pour chanter, il y a des rôles qu'on s'attribue. Oui. Tout le monde n'a pas la même voix. Il y a des gens qui ont des voix altos, basses, des altos, etc. Donc quand celui qui chante alto ou soprano, il faut qu'on puisse lui dire c'est ton tour. Et il fait comme ça. Le maître de cœur se reconnaît. Non. Pas forcément, je vais à l'église, je prie et je chante à l'église. Ça fait 2 mois que vous n'y êtes plus allé. Oh là là, c'est vrai, la situation. Ça a repris ce matin. Ça a repris ce matin. Oui. Ah. Toutes les barrières. De toutes les façons, nous étions à l'église. Oui. Ouais. Ah ben c'est bien. Vous nous Alors, avez... il y a autre chose encore au menu après bon, le maître de cœur. Quand vous rentrez dans une église, on reste toujours à l'église, hein, parce que j'aime bien ça. D'accord. Quand vous rentrez dans une église, il y a toujours quelqu'un. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous vous dites, c'est peut-être lui, il est plus ami à Jésus que tout le monde. Sa façon de prier. N'est-ce pas vous?
Non, non, pas moi. Pas moi. Parce qu'il y a de ces gens, je ne sais pas quel est le contrat qu'ils ont signé. Le fait d'avoir fait le constat, ça peut porter à croire que vous êtes parti parmi ceux-là. Vous savez, dans une église, celui qui danse le plus, ce n'est pas lui qui donne plus d'offrandes. Demandez-moi pourquoi. D'accord, oui, pourquoi? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans la poche, est-ce qu'il peut danser, se coucher, crier, sauter? C'est-à-dire, vous le voyez, il transpire. Oui. Mais le monsieur... Non. C'est pour manifester sa joie. Quand il a beaucoup d'argent, il est en quand joie. Quand le gars est trop en joie, un riche, il ne manifeste pas sa joie. Il sort l'argent, il remet. Et il est là tranquille. Vous allez constater que les milliardaires de notre pays, quand ils veulent faire offrande, ça ne crie même pas. C'est-à-dire, tranquillement, il remet, il fait semblant. Vous en connaissez? Beaucoup. Beaucoup. Vous-même à l'église, vous faites comment? Vous êtes. Vous restez assis. Vous chantez, vous tombez sur les gens. C'est ce que je vous dis. Quand vous voyez les gens qui sont riches, vous ne savez pas. Mais maintenant, oui, vous faites partie de quelle catégorie? Puisque c'est un critère pour identifier les riches et les pauvres. Désormais, quand vous quand vous êtes à l'église, vous chantez, vous faites comment? Je chante, mais je ne me couche pas par terre. C'est-à-dire, je ne fais pas tout le grand geste. Donc, vous êtes riche. Parce que quand vous avez la poche bien remplie de billets. Vous êtes posé, moi, je connais des gens, ils sont bien à l'aise, ils sont riches, mais à l'église, ils manifestent vous, leur joie. Vous les méconnaissez. Oui. Ils chantent comme des enfants, ils sont en joie, ils attrapent tout le monde. Mmh. Et ils manifestent leur joie. Il faut comprendre que c'est de l'humour et qu'il était en train de taquiner. Oui, c'est vrai que c'est de l'humour. Mais à part ça, il y a aussi ceux qui font les prières. Il y a des... Au fait, vous ne faites pas un tour à la mosquée, vous allez juste à l'église, je mais faites tout que, le tour aussi à la mosquée. Je ne parle que de ce que je connais. Je ne parle que de ce que je connais. Vous savez, il y a, quand vous observez les femmes dans les églises, la femme qui prie le plus avec force, c'est-à-dire... Non. Les gens comme ça, là. Oui. C'est sûr qu'elle a un problème de mariage à la maison. Non, pas forcément. Bon, c'est vrai que vous, en tant qu'humoriste, c'est le constat que vous avez fait. Mais lorsque vous voulez prier, vous priez. Concentré. Mais est-ce que quand... Mais oui, vous pouvez être emporté par l'Esprit Saint. C'est ça. Bon, oui, peut-être. Vous exprimez votre manière, votre notion peut-être. De plusieurs manières. Bon, peut-être. Peut-être. En tout cas, merci, c'était de l'humour. Merci, Polycarpe de Jésus. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va? Ça va bien, super. Pourquoi de vous êtes venu en retard? Vous savez, Cotonou n'est pas grand. Ouais. Donc, les rues de Cotonou ne parviennent pas à contenu votre véhicule. Mon moyen de déplacement. C'est un véhicule, c'est un bateau en fait. Vous avez vous un déplacez bateau avec un bateau. Non, c'est un bateau. Il se déplace avec un bateau. Vous avez compris. Donc, d'accord. De Calavi à Cotonou, il fallait passer beaucoup de temps. Voilà, c'est juste ça. Il y a la mer à Calavi. Parce qu'il faut, pour un bateau, il faut la mer, non? Si, si on va passer le temps à lui céder toutes ses explications, on ne va pas quitter ici. De toutes les façons, comprenez que je suis venu à bateau. Oui. Et ceux qui n'y croient pas peuvent quand même se mettre dehors pour voir. Tout à fait. Alors, on vous présente, vous le présentez? Il est ridicule de bêler à la place du mouton. Quoi? Il est ridicule de bêler à la place du mouton. Oh, d'accord, ok. Bon, ben, ridicule ou pas, c'est que je suis à Belmont-Oulikonto, à l'état civil. Ceux qui savent et adorent ce que je fais m'appellent Abel Solo. Abel Solo. Oui, Solo, c'est moi. Abel Solo et Polycarpe de Jésus. Oui, nous vous écoutons. On a quitté l'église, on a fini avec les choristes. On reste toujours à l'église avec un pasteur. Décidément, les pasteurs vous ont fait quoi? D'accord. Non, bien. J'espère que vous n'avez pas demandé peut-être à fouiner votre nez dans la caisse de pasteur. Il a refusé, vous êtes en train de faire ce qu'il y a au pasteur. Non, non, du tout. D'accord. Alors, pasteur. Oui, c'est... C'est Abel. Abel, c'est moi. Ça va? Oui, c'est mais moi. On ne te voit plus à l'église? Non, non, c'est-à-dire que belle-mère, tu es décédé d'aïe. Bon, comme je n'ai pas l'argent, tu auras au Nigeria, oui. Ah, ça s'est bien passé? Oui, il dit, il faut y aller, quoi. Ok, et ça s'est très bien passé? C'est très, très bien. Très, très bien. c'est que Ndjona, je suis allé aider nous mieux, quoi. Oui, allez-y. C'est que Ndjona Josi garde. Ah, mais gloire à Dieu! Gloire au Seigneur Jésus! C'est mais c'est ça. Une très bonne nouvelle. Écoute, mon fils, lorsque tu fumes, il y a ton estomac
eh, qui se détériore. Mmh. Tu vois, lisons dans le livre de Jean. Jean, mmh. La Bible dit que... C'est que, remettons du quoi. Quand je fume, Adjaya Chimé Binon Vert. Mais c'est ce que je dis. Donc, décidez de prendre Jodo. C'est très bien. Tiens, Adjaya Gay nous dit. Et donc, c'est-à-dire que cigare, au paquet, tiens, ouais, non, nous d'ailleurs. Tiens, on va nous conduire à Boadje. Tenez. Car nous, 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 donc, ouais, on bon bord, on a essayé nous. Et donc, nous, ouais, nous conduire, non, bah. On a déjà gagné, on dit ouais, en tout moment, mon mimbo nous mina chou. C'est bon, s'il te plaît, c'est bon. C'est bon. Laisse-moi continue, me concentrer sur la prière. Voilà parole, pasteur. Oh gami, Melonion, elle est globi quoi, elle est globi. Vous devez prier pour lui. Est-ce que vous devez prier pour lui? Parce que si vous priez pour qu'il cesse avec la cigarette, qu'il revienne avec le tabac. C'est que peut-être que non, mais à la base, il n'avait pas été un bon fidèle. Il est parti avec la caisse de l'offrande et je le cherchais déjà. Non. Et quand il est revenu, je me suis dit que bon, maintenant là, il a été repêché. Mais malheureusement, la caisse de l'offrande, on est dans mes déos. Au moins, il m'a mis un mais moi, en réalité, on y est efficace. Au milieu, ça a meilleur faux. Oye me no khonu mo blo koris koris le ye de no na dimu gbere a e je keti na jo ye de o wedu aje no de bodi o me kule bi kuno na hun wa decider bo be greve da mi sa bo so ke so so ikwegbe ke so ro kwe chegbe akwe de me je ma so de me a mai mo mi ba na so ke so wa nu mi yen ka do fi di yin me le po wa ton nu mi ma pon bodo a na gba mi sa ku yobi ah non on va pas permettre ça là on va pas permettre ça on doit ouvrir l'église ce matin. Oui, nous sommes des fins de l'homme, des dions, et quatre patients, mais des corona, mais soit, mais ça, on l'a mon mille aux amis. Mais pour la mise à bloué, nous l'avons émané. Abel, s'il te plaît. Et non, s'il te plaît. Il faut cesser ça, parce qu'en réalité, le corona, c'est une maladie. Il y a qu'à faire digne de remède de temps. Sur la bidouane, nous devons nous devons ensemble, nous devons remonter, nous devons badan. À cette allure là, vous deviendrez éthylique. Eh ouais, non, et boy, non, botan, ouais. Et voisin, y'a m'a de bois. Ah bon? À moi. Mais là, là papa. Oui, on ne va pas demander aux gens de. Si en plus du tabac, il ajoute l'alcool, vous comprenez, c'est qu'il même pas foutu. Un exemple à suivre. Pas du tout, alors. Ce garçon est récupérable. Hein. Très bien. Mais nous allons essayer de le récupérer. Il va danser. Puisque vous avez été choriste aussi. Il faut lui donner sa chance, mm-hmm. Nous allons voir. Donnez-lui sa chance pour vous. Vous allez lui donner sa chance. Ouais. Hein, il va... et le racheter. Hein. Non, bon, avec la prière, je crois qu'il sera racheté. On d'accord. Va danser ici maintenant, c'est oui, ça. Oui, on va danser. Oui. Vous allez, ah. Vous allez danser. Oui. C'est quel et rythme et comme ça, là, vous n'aurez plus envie du tout de consommer la drogue que vous voulez commencer assurément à consommer. Assurément, vous avez un remède pour c'est ça. Donc, c'est sûr que vous en savez quelque chose.